Génibet, Paris Picandi. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mardi 31 janvier, Quintet Plus sur les programmes de Cagnes-sur-Mer. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, je transmettrai des coups de cœur, des conseils de jeu, que ce soit pour Cagnes, mais également pour Bordeaux-le-Bouscat en Réunion 3, une réunion bordelaise pour laquelle j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y comptant et partant confiants pour de très bons résultats, pourquoi pas même des victoires. On commence donc par ce Quintet Plus Top 5 Génibet. J'en profite également pour vous inviter à liker, partager cette émission via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Concernant donc ce prix Charles Gasteau, j'aime beaucoup le numéro 1 Dante, un cheval qui est un habitué de la victoire. Il compte en effet 6 succès en une vingtaine de courses courues. Il a remporté son Quintet Plus l'an dernier à Cagnes-sur-Mer et pour son retour sur le gazon, je pense capable de mettre tout le monde d'accord. Je pense à le numéro 8 dans cette épreuve, Mille Sabords confirmé à ce niveau. Une victoire 7 places en une vingtaine de quintets courus. Le cheval avait terminé deuxième de cette course il y a 2 ans en 2021. Je pense qu'il peut faire aussi bien et pourquoi pas mieux cette année. Attention également numéro 15 dans cette épreuve, c'est J'aurais dû. Il connaît bien également cette rencontre. Il s'est classé 3e il y a 2 ans, 2021, 10e l'an dernier en dépit d'un numéro en dehors dans les stalles. Il reste sur 2 podiums à Vivo. Sa forme est sûre, on garde également en bon rang le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Diva du Dancing. 3e de cette course l'an dernier, c'est un gros scot, il y avait plus de 70 contraintes sur ses chances. Depuis, elle a remporté un handicap sur les programmes de Lyon en terrain lourd courant novembre, le 10 novembre. Même si elle n'a pas été revue depuis cette sortie, elle mérite crédit. Attention également numéro 7, Sears Parcalotte, qui vient de remporter handicap courant janvier sur la PSF. Ici, bien que remonté de 6 livres sur l'échelle des poids, je pense qu'il peut tout à fait accompagner les précédents cités. Le 4, Norwegian Sir, n'est autre que le tenant du titre. Il remportait cette course en dernier en 38 de valeur, soit la valeur identique à celle de cette année. Le cheval a des atouts à faire valoir, le seul bémol le concernant, et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut, c'est son numéro en dehors dans les stalles, le 15. Je retiendrai ensuite le numéro 11, c'est Mystery, qui a couru 3 quintés pour déjà 2 places de 2e et 1 de 5e. Il devra afficher des progrès sur sa course de rentrée de la soie sur la PSF, on s'en méfie. On se méfiera également au numéro 16, Scarface, qui a beaucoup mieux fini que ne l'indique son dernier classement brut sur la PSF de Deauville en dernier lieu. De cheval a couru une fois sur le tracé proposé, il s'est classé 2e. Bref, il présente ici le profil parfait du séduisant Trublion. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet du mardi 31 janvier, le 1, le 8, le 15, le 5, le 7, le 4, le 11 et le 16, je répète, As 8, 15, 5, 7, 4, 11 et 16. En cas de partant, attention numéro 6, Out of Time. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et informations concernant ce mardi 31 janvier. On commence par Cagnes-sur-Mer. Dans la première, j'aime beaucoup le 100 Yuzuna, cheval qui a été jugé digne de participer au prix du Jockey Club l'an dernier. Le cheval a depuis remporté une Listed Race sur la PSF de Deauville. À mon avis, ici, pour ses débuts sur le sable cagnois, il doit pouvoir s'imposer le 101 Yuzuna. Je poserai le numéro 3, à savoir dans cette épreuve Sweet Heart, qui était dépendu du même entraînement, celui de Christophe Ferland, et le numéro 5, National Service, qui dispose d'une belle chance théorique. Le 101 pour la victoire, le 3, le 5 pour les jumelés. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 301 Mojo Ego, il descend de catégorie. Il décevrait fortement en ne figurant pas à l'arrivée et sur le podium de cette course à réclamer. L'opposition, le 2, le Tropique, et le numéro 5, Tuten Matters, qui dispose d'une belle chance théorique. La troisième, 1, 2 et 5. Dans la septième, mon préféré sera le 701 Fantabulous, qui vient de se classer 3e le 16 janvier sur le tracé proposé, et ce pour sa rentrée, sa chance est donc prépondérante, le 701. On parle maintenant de Bordeaux, la Réunion 3, pas mal d'infos à vous transmettre. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 11, Hakim de Chenu, valeur sûre, un cheval régulier autre montée. Je vous poserai le numéro 10, Greta, si elle est sage, elle peut parfaitement lui donner une bonne réplique, 211-210. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 310, Jivago Bleu, qui après une course de rentrée profitable à Angers devrait pouvoir se mettre en évidence, le lot est dans ses cordes, c'est un bon droitier. Le numéro 5 conduira l'opposition, Janus Dem, qu'il convient de juger sur ses débuts et non pas sur sa dernière disqualification. Et le numéro 4, Jacquino, qui s'est classé 4e pour ses débuts sur cette piste, une 4e place encourageante qui appelle des progrès. 310, 5 et 4.
Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 401 James Rules. Le cheval est un bon droitier. Il sera pieds nus. C'est la course visée. Il devrait répondre présent. On peut lui opposer numéro 4 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de bien faire. Jaloux du Goutier, qui sera pieds nus. Et le numéro 2 également. On s'en méfiera dans cette épreuve. Le cheval a déjà gagné sur ce tracé bordelais. 401. 4 et 2. Dans la cinquième, le 505 Hamptons me semble en mesure de dicter sa loi. Le cheval vient de faire une course de rentrée nécessaire et profitable sur la piste d'Argentan. Il est allégé cette fois dans sa ferrure. Le lot semble dans ses cordes. Il devrait pouvoir s'imposer, gagner le 505 Hamptons. Je poserai le numéro 3 dans cette épreuve qui doit pouvoir également bien faire. Le cheval est en bonne condition physique et son entraîneur en attend un bon comportement. C'est Hermès de Gironde qui vient de se classer deuxième sur le tracé proposé. Concernant Sylvain Dupont, il présente le 602 Iséa de Saint-Marc. C'est une jument un brin nerveuse, mais de qualité. Elle progresse constamment, elle a de la qualité, elle a de la tenue et doit pouvoir se mettre en évidence dans ce lot. L'opposition, sans doute numéro 4 ici, qui reste sur deux victoires, 602, 604. Concernant la septième, sachez que l'entraîneur Julien Aït-Ouakli est très confiant au sujet du 702. C'est Idéal du Riveray. Le cheval vient de s'imposer avec de la marge dans le sud-ouest. Un cheval dur à l'effort. Il faut assurer dans les premiers mètres de course, mais ensuite, il n'a besoin de personne et son entraîneur vise une nouvelle fois la victoire. Vous êtes prévenu avec le 702, Idéal du Riveray. Un entraîneur qui redoutait en priorité numéro 4, Idyl de Baye, qui est une bonne droitière, qui est en forme et qui effectue le déplacement dans le sud-ouest avec de légitimes ambitions. 702, 704. Je vous invite par ailleurs à aller lire ou voir nos différentes interviews pour cette réunion bordelaise. Pas mal d'infos à vous transmettre. Voilà pour le programme de ce mardi 31 janvier. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picandi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.